Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, et comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer avec l'Empire. Donc, dans l'épisode précédent que je tourne, cet épisode je tourne directement après l'épisode précédent, donc j'aurais pas eu vos retours directement. Mais dans l'épisode précédent, pour vous rappel, l'Empereur a attaqué une armée du chaos qui était sur le territoire ici, et que je suis allé massacrer. Bon, j'ai perdu au final pas mal d'unités puisque ils se sont repartis et quand j'ai voulu les massacrer j'ai fait ça en automatique et j'ai perdu 3 unités de plus. Bon, c'est pas grave, ce sont des lanciers et des épéistes que j'ai pu récupérer assez facilement. Et après aussi les arquebusiers qui sont tous des unités de renom. J'en ai profité aussi pour reprendre la resgarde en unité de renom, parce que j'ai remarqué qu'une seule unité de cavalier c'est trop peu pour une armée. Et on s'est rendu compte que la batterie de tonnerre de feu est du tonnerre, comme on peut dire. Je suis en train de poursuivre cette armée du chaos qui est en train de se balader sur mon territoire, donc je vais essayer de la choper avant que... De toute façon on peut pas refaire ses troupes, donc je vais essayer de la choper. Et j'ai... ces petits loustiques qui sont ici, qui ont l'air d'avancer sur Aldorf. Bon, ça m'inquiète pas trop, Aldorf c'est quand même une garnison assez conséquente. J'ai pu repousser un assaut des rebelles bretoniens sur le territoire de Montfort. Donc ils ont attaqué ma garnison. C'était laborieux, mais j'ai quand même réussi à les massacrer. J'ai tué leur prophétesse. Et j'avais des archers que j'ai massacré. Donc là en fait c'est que la cavalerie tout ça. Et ce que j'espère c'est que normalement... Alors les armées rebelles sont en guerre avec tout le monde par défaut. Et ce que j'espère c'est que... les bretoniens vont s'en charger. J'aimerais bien que les bretoniens s'en chargent. Ça m'arrangerait, ça mettrait une épine en moins dans le pied. Sinon j'ai les nains ici qui sont un peu dans la panade contre les... J'aurais bien voulu me débarrasser de ces satanés vampires, mais c'est un peu compliqué. Je peux pas être sur deux fronts à la fois. Je m'en chargerai un de ces quatre. Pour l'instant mon objectif principal c'est les deux armées du chaos qui me restent. Puisqu'il y en a... Pour rappel je crois qu'il y en a que 4. 4 qu'on spawnait. J'en ai vu que 4. Et donc j'en ai massacré 2. Il reste celle-ci et celle-là. Et après ce sont que des armées de maraudeurs. Et il faut qu'on résiste à ça. J'hésite grandement à incorporer Camperbad à ma confédération. Pour que ça amène des revenus supplémentaires. Bon, le problème c'est que j'ai peur que ceci m'amène du mécontentement. Ah oui, je vais avoir une rébellion ici. Donc ça va poser un peu problème. Je vais envoyer cette armée d'urgence pour la mater. Oui, je sais que j'ai un bâtiment endommagé, mais j'ai pas d'argent. Pour vous dire que c'est tendu. Et ce n'est que la première incursion du chaos. Voilà, j'ai le rebelle qui se ramène. Et lui, il va vouloir que je masse la guerre contre les peaux vertes. Les peaux vertes sont en guerre contre qui? Contre tout le monde. Il me donnerait 1000 d'or. J'ai pas trop envie. C'est tentant parce que d'un côté, je n'ai pas... je sais pas s'il y aura des gros chances que les pauvres viennent me chercher dans l'Empire. Ça se peut toujours. Mais en face, il y a quand même les nains qui sont là. Il y a les autres nains qui sont ici. Et je sais pas, les pauvres s'ils sont en guerre contre les vampires. Je pourrais pas voir ça. Il me donne 1000 pièces d'or. Mais moi je pourrais pas venir les aider. Mais ça fait quand même de l'argent. Ça fait quand même de l'argent que je vais refuser. Désolé, mais j'ai assez d'ennemis comme ça. Ah, viens me redéclarer la guerre. C'est bon, j'en ai marre. Enfin, me redéclarer la guerre. Elle a voulu retenter sa chance que je suis encore massacré. Dégage, fais chier. None. On dévalise. Oui, ok, je sais. Bon. Ah, non. Ah. Comme ça.
Ah oui, ça c'est bien ça. Vas-y. Il y a... Et eux, je vais les mettre... Ici. C'est quoi ça? Aspirant champion. Ah ouais, d'accord. Ouh. Oula. Ah bah non, il reste trois armées. Putain, mais combien ils en ont de ces armées? Et garde et ma faune. Angvangvang. Et Azavar. Est-ce que les bon. On a les Nordland qui ils ont l'air de gérer les Nordland quand même. Ah. Ok, bon. Moi je suis à Wundbard. Enfin, rester dans la ville, on va pas aller chercher l'armée. Qu'est-ce qui me manque ici? Ah, ce serait ça. Ça, ce serait vraiment utile. Ça coûte de l'argent. Mais ça serait beaucoup plus utile que les petits bretteurs. Parce que là, ils ont quand même perce armure. Ouais. On n'a pas d'unité de... C'est pareil, contre les armées du chaos, ce serait des arquebusiers qui me seraient vachement utiles. Ça fait mal. Ça fait très mal. Bon, on va dire que c'est le terrain qui m'était pas très favorable. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même prendre le risque de prendre ça. J'ai quoi comme garnison ici? Ah ouais, j'ai pas grand chose. C'est pas grave. Il va falloir que j'aille me débarrasser de ça. Et ils sont en attrition en plus. Bien. Annon, j'ai assez de... Ouais. C'est Pieldorf. C'est maintenant Wisenberg. Ça peut ça. C'est Pieldorf qui m'inquiète. J'ai rien pour protéger Pieldorf. Bon, ils sont encore assez loin. Et j'ai eux qui sont là pour m'aider en cas de pépin. J'aimerais bien que ces petits loustiques... Est-ce que la Bretonie peut pas venir m'aider? Ils sont chiants. Welcome. How fares the Emperor in these dark times? Ils veulent pas devenir. Ah, attendez. On en est où là? Grande puissance, traité passé avec Moussillon. Ah oui, d'accord. Bon, c'est moins 1, c'est rien. Et valeur totale de latitude, ça monte, ça s'améliore. Ça, c'est très bien ça. Ouais, contre les Bray, ils aiment bien. Contre les Warg, ils aiment bien. Tribu de peau verte. Action militaire contre les écraseurs. Action militaire contre les... Traité. C'est très bon. Ça continue à monter, c'est bien. C'est bien, j'aime bien. Mais pas assez vite à mon goût. Et non. Les elfes sylvains sont en guerre contre juste les... Ah, ça s'améliore aussi. 26. Grande puissance traitée avec la Bretonie. Ouais, bah... pas rien, hein. Je préfère les mettre... La Bretonie est quand même assez meilleure que vous. Ici, moi, ici, j'aimerais bien faire... Attendez, on est... Ouais, non, moi, plus 17, ça va. Ici, j'aimerais plutôt... Enfin, j'aurais dû plutôt faire... Parce que là, à Grunberg, je manque de... J'ai pas de garnison, c'est ça le problème avec cette ville. Il faudrait que je fasse plutôt ici un poste de garde. Mais vu que j'ai augmenté le truc sur 2, ça me fait chier de l'enlever en fait. Donc on va rester comme ça. Moi ici j'aimerais bien faire un... J'ai rien, j'ai pas d'argent. Ouais, il faudrait que je fasse le... Bah non. Bah non, bah non, bah non. Est-ce qu'il y a des bâtiments uniques dans le coin là? Aldorf, tu as quoi comme bâtiment unique? Ah oui, tu as ça.
faudra quoi pour ça? Atelier d'ingénieur. Et atelier d'ingénieur, on l'a avec... avec ça. On devait d'abord améliorer le bâtiment de la chaîne de colonies. Ah ouais, d'accord. Ok. D'accord. Bon. Ok. Bon, on va garder l'argent pour l'instant. Et là, je peux rien faire non plus. Non plus. Ici, c'est vraiment... ce qui me manque, c'est... bon, je garde ça pour l'instant, mais ce qui me manque, c'est vraiment un mur. Toi, en bâtiment unique, t'as le verger. Ce qui est très bien. Le verger, on va pas le retirer, mais c'est ça qui manque là. 2125. Ah, ça fait mal. Ça, pour l'instant, la caserne, on va la garder. C'est très bien. L'armurerie, je vais la garder. Très bien aussi. C'est vu qu'ils sont... vu qu'ils sont sur la ligne de front, on va garder tout ça. Hein. C'est... on passe de tour. Bon. Ce que j'ai peur, c'est que Camperbad passe, soit rasé en fait. C'est ça le problème. Ah, il y a un héros qui va me faire quelque chose. Ah, ça y est. Wimborg est en train de se faire HLG. Ce que j'espérais. Je préfère qu'il vienne m'attaquer. Ah, l'armée du chaos était détruite par les derniers... c'est qui ça? Ah d'accord, André d'Aquitaine, c'est encore les rebelles. Il reste plus que ça. Bah écoute, mon pote, voilà. Non mais c'est bien. Attaquer les unités, ok. Cogni HCG. Ah, plus 10. Plus 10, plus 10. Ça, c'est très bien. Hors de public, non, je peux pas me le permettre, donc. Merci, ça fait super plaisir. L'armée du chaos a été détruite. Parce que j'ai l'impression... non, elle est là. Allez, hop, ça me pose un peu problème. Qu'est-ce que font le... j'ai l'impression qu'ils vont aller chercher tous l'armée, là. Ah, j'avais jamais remarqué que ça... c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais remarqué. Mais les unités de garnison deviennent, peuvent gagner des niveaux de vétérancie. Regardez. C'est juste là. Enfin, il y a des galons dessus. Je savais même pas. Comme quoi. Je suis à moins 1. Cool. Ça baisse. Parfait. Alors... toi. On va te faire gagner ça. C'est vrai que j'ai gagné une armure. Donc on va te donner ceci. Armure d'acier enchanté. Toujours utile. Ah, ils ont aussi détruit la rébellion. Oh! Ils m'ont exterminé la rébellion. C'est parfait. D'accord, merci les mecs. Bon là on en est quand même. Ok. Bon, c'est pas... c'est pas l'armée de ouf que je me disais aussi. Voilà. Et heureusement. Je pourrais faire ça, mais... du coup... bon, je crois qu'ils sont tous là-dessus. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à aller pourchasser ces gars. En fait, je suis en train de me demander ce que je fais avec cette armée. Je crois que je vais la mettre ici pour l'instant. Non, attends, bouge pas. Voilà, reste comme ça. Je vais la mettre là. Voilà, parce que j'ai besoin de recruter du monde avec elle. Voilà, parfait. Très utile les flagellants.
puis bon, si on veut rester RP, les armées de prêtres ont des flagellants. Enfin, ont des armées. C'est limite que des armées de flagellants. Ah d'accord. Ils sont où les... Ok. Je trouve ça cool que les Bretonniens là, ils vont aller, je crois qu'ils vont aller chercher l'armée quoi. C'est il y a une armée du chaos, on va la poutrer. Oh le Midenland se. Attendez, il se passe quoi là? Ah merde, ça a été rasé ça. Oh la vache. Oh oh. Midenham est la dernière à résister. Oh my god. Sigmarite Archlector. Oh elle a subi elle. Je peux pas me permettre d'aller la choper aussi. Warrior of Sigmar. Ah, c'est problématique ça. Bon, et toi, tu veux qu'on aille te poutrer? T'as l'air motivé. Men, war calls. Alors. Bon allez. C'est le chaos. J'aimerais bien plutôt qu'ils viennent m'attaquer. Un bon petit siège. Alors là, je serai en position dominante. Leur chien, leur cavalerie ne pourrait rien faire contre moi et je les poutrerai. Mais bon, on est l'empereur, on est les héritiers de Tinmar. On va pas attendre comme des pleutres derrière nos murs. Et là, ils ont des héros. Ils ont pas mal de héros avec eux, donc il va falloir que je les marre. De toute façon, mon empereur, il est déjà niveau je ne sais plus combien. C'est un haut level. Hein. Il est à 25 je crois maintenant, un truc comme ça. Et en face, on a que des levels. Alors en limite c'est 5, 6. Ils se font démonter en 2-2. On l'a pu le voir sur la dernière vidéo avec le sorcier du chaos. Il s'est fait. Même moi j'étais surpris, il s'est fait bouffer. Ah 19. On va peut-être garder ça. J'ai pas envie de parler. Ah voilà, une belle petite. Les renforts arrivent par où? Par là. Ah là c'est beau ça. C'est un beau petit... une belle petite plaine comme je les aime. Bon le problème c'est que je n'ai pas assez d'unités au corps à corps. Donc ça va être un peu laborieux. Heureusement j'ai mes lanciers qui sont toujours là. Au taquet. Non, ce que je vais faire, attendez, on va faire un truc comme ça. Non, par là. Ici, ça serait bien. Ici, on a une belle position de feu. Voilà. Donc, le problème, c'est que... On va se mettre comme ça. Mes renforts vont venir là, donc... normalement, mes renforts sont en mesure de leur faire face. Je vais garder le 19 parce que 19 c'est pas mal. Vous, c'est vous qui m'intéressez les mecs. Parce que je vais vous planquer là. Vous allez leur... vous allez arriver par derrière. Comme ça, on est bien planqué. Voilà. Et vous aussi de ce côté là. Hop. Vous êtes pas planqué là. Ça m'intéresse pas. Là vous êtes planqué. Ok. J'ai pas regardé, s'ils avaient beaucoup de chariots là. Chariots du diable. Vu vous êtes que vous êtes un peu plus en hauteur, vous. Vous mettez de ce côté là. Hop. Et mes canons.
Et parfait. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Et l'empereur. Voilà. En espérant qu'ils vont pas trop me... D'ailleurs, j'ai juste un chouïa à les rapprocher. On est prêt. Ok. Oh, j'adore ce truc. Allez, vas-y, tire-moi là-dessus. On n'en parle plus. Ah, oh, ils ont des arquebusiers à mort, eux. Non, 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 juste eux. En courant, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. Je le fous en ligne, comme ça, c'est la garnison, on s'en fout. Hop. En courant. Ça, on va viser ça. Vite, 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 vite. Parce que là, il est en train de me faire mal. Ouais, un peu trop loin. Non. Regardez, il y a la cavalerie dans votre dos, les mecs. Allez, allez, parce que là, ils me font mal, là. Ok, tu te mets comme ça. Oh, la vache! Je suis trop fan. Allez, 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 go, go! Bon, de toute façon, ils vont s'en charger. Toi, tu viens par là. Hop, bon. Ok, là-dessus. Toi, là-dessus. Ok, hop, vous revenez par là. Attendez, stop. Vous revenez là. Hop, par là. Comme ça, non, comme ça. Voilà, là, ils ont les chiens qu'on chargeait sur mes... Vous allez dessus, s'il vous plaît. Et là, c'est quoi, ça? Ah oui. Allez, hop. Tueur de héros, te voici. Fais tes preuves. Toi, tu vas tirer là-dedans, dans le tas. Vas-y. En plus, il est... Ah oui, le plus gros de l'armée est en train de s'éloigner. C'est parfait. J'ai mes arquebusiers. Vous allez me les suivre. Non, attends. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait? Stop. Qu'est-ce que j'ai fait? Abruti. Merci. Feu à volonté. Ok, vous. Allez, vous venez en renfort, s'il vous plaît. Comme ça, voilà. Ils sont fait massacrer. Allez, go. I will not stand up!
Lui, vise-moi lui. Ok, toi tu massacres ça. Allez hop, les renforts là. Oh putain. Attention. Les chiens. Non, attendez, où est mon empereur? Là. Tu me tues le héros, s'il te plaît. Ah merde, lui, il a pris cher. J'avais pas vu. Ah bah non. Si. Si. Feu à volonté. Allez. C'est quoi ça? Ce sont des infanteries là. Bon, allez, on fonce sur ça. Allez, feu à volonté. Regardez-moi ça. Regardez. Ah, bam. Ça, c'est un massacre. Personne ne résiste. Voilà. Alors, il faut me focus les méchants. Les héros ne s'en font. Ah oui, personne ne s'enfuit. Personne ne s'enfuit. Vous les massacrez. Toi, tu vas prendre ton petit truc pour te guérir. Voilà. On peut faire ça, je sais pas. Ah voilà! Vous le massacrez! Allez, vous me massacrez là! Oh, ça reprend beaucoup de vie ce truc là! Où est ma cavalerie? Là! Personne s'enfuit, hein. Personne ne s'enfuit, on en massacre un maximum. Surtout le héros là, faut pas les laisser partir. C'est qui ça? Allez, tue-le-moi là. Il reste qui? Attendez. Il y a des héros qui manquent. Ah, ils sont là. Va me le tuer. J'adore l'artillerie. Tiens, va les aider eux et là, ceux-là. Allez, tuez-moi ces gars. Il y a 4 héros, je veux tous les 4 morts. Non. Ah, les faiseurs de soleil, restez là! Faites pas les cons! Il est mort l'autre là? Je crois qu'il est mort. C'est leur chef ça. Hein. Merde. Ah! Chope-le! Ça a marché, il est dans le... Voilà. Voilà, tue-le maintenant. Et il se défend quand même. Allez, l'affrontement. Ouf, je prends cher quand même. Il a foutu un coup de pied. C'est bon, vous les avez eus? Ah, ils les ont eus. Va le choper. Ils sont tous morts, là. Ah, il s'est fait bouffer. Et lui aussi, il s'est fait bouffer. Il s'est fait tuer. Ouais, t'as beau être fier. C'est bon, vous avez tué chacun votre guerrier. L'autre, il se fait massacrer par les hommes. Et là-bas, il y a le seigneur qui s'enfuit. Donc, le seigneur, on va le choper. Tous dessus.
Il arrive, je vais le choper. Vas-y, va le choper. Ah, vas-y. Qui meurt? C'est moi que tu cherches là? Wouh! Je crois qu'il est mort là. Ouais, il est mort. Ah non, toujours là. Il est résistant le bougre. Vas-y, achève-le. Bordel. Allez, achève-le. Je ne veux pas voir. Et bon, je crois qu'il est mort. Non. Oh, là, là, je crois qu'il est mort. Il a explosé, je crois. Attendez. Le corps a explosé, non? Ouais, il reste plus grand chose. Parfait! Ouh la vache! Ils ont subi mes joueurs d'épée. Oh, j'ai peur de perdre l'unité. Ah, il y en a un qui a réussi à sortir. Il a réussi à partir, lui? Ouais. Eh merde, j'ai perdu mes joueurs d'épée. Oh! Shut! Bring me to my men. On va pas laisser partir. Men, we must attack. Ouais, c'est vrai que j'ai perdu ça. Hein. Bon, on va vous les donner à vous, les mecs. Voilà, parfait. Is it time? Putain, j'en gagne des armures là. Yes. Sigma compels us onward. Ah, level 24, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? On va donner plus de vie. Toi. On va peut-être te donner un choix là, tiens. Il serait temps. Tu veux une petite armure? Voilà, bon bouclier enchanté, ce serait pas mal. Et épée, qu'est-ce que j'ai comme épée? Malédiction du guerrier, plus moins 6 dégâts des armes. Autour de soi, en fait, la porte à les ennemis. C'est pas mal ça. Et là... un toit... on va te donner ça, cap embrasé pour la protection. Ok, bon, on est pas mal. Qu'est-ce que j'ai comme... D'accord. Bon, cool. Le problème, c'est que j'ai perdu mes deux... In the name of Magnus. On va en faire deux, hein. Voilà. Coûte cher, mais je suis obligé. Bon, c'est déjà ça en moins. Bon débarras. Donc ici, il va falloir que je... ah, ça serait peut-être pas mal ça. Faire des albards. Ouais, c'est vrai qu'ils sont les albards dans des perces armures. Ok. Bon, on est bon pour l'instant. Ah oui. Alors plus 5 pour les unités de joueurs d'épée. En armure, ça c'est pas mal. Plus 15 pour les unités de machine de guerre. Ouais, ça c'est pour les tanks, mais pour l'instant j'ai pas de tank. Capacité de recrutement bloc. Toutes les provinces. Ok. Tire la volée. On va prendre ça à 14 tours. Waouh. Aïe aïe aïe, caramba. On passe de tour.
encore du monde qui arrive, hein. Vache. Greetings from Sigma. Commerce. Oui. Oh, il me paye 1000 en plus. Ah bah oui. Moi je veux bien. Hein. Ils sont persévérants, hein, les vaches. J'ai jamais vu ça. Hein. Migration. Recrutement moins 10, croissement plus 15, ordre public, non je peux pas faire, partez. Je peux pas me permettre d'avoir de l'ordre public en moins. Là, le chaos est en train de se faire poursuivre, donc moi ça m'arrange. Et ici, on est enfin à plus 7. Merci, j'en avais marre. J'ai bien envie de faire Outland, ça va, c'est pas trop gênant. Non, il faut que je m'améliore la garnison qu'il y a à Emnart. Parce que je risque d'avoir des troupes qui débarquent ici et il me faut des... Qu'est-ce que je vais gagner en plus en fait? La resgarde, hein, c'est ça. La porte... Ah non, les mortiers. Ah oui. Alors, comment ça se fait que là, j'ai des... Ah oui, parce que j'ai le bâtiment de la resgarde, c'est ça. D'accord, deux resgardes en garnison. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. C'est pour ça. Ok, on est bon. Midenheim est en train de se faire assiéger. Ouais, c'est bon, c'est foutu pour eux. C'est fou poudave. Putain, il reste 3 armées du chaos quand même. Il y a le fort du... Ah putain, le Hochland, il y a tous les petits... C'est quoi comme level ces gus là? Level 5 et level 5. Now. Level 7. Par curiosité, si je fais 32%. D'accord. Et toi 28%. Ok, faudrait que j'envoie mon gardien un truc de la lumière. D'accord. Ok. Les nains devraient être furieux de voir les mecs sur leur territoire quand même. Je voulais voir. Do you wish the lady's favor? On peut faire une alliance, ça serait plus simple. Les peaux vertes, eux sont en guerre contre qui? Ah oui, ils sont sur tous les fronts. Ouais, d'accord. Bon, passe de tour. J'ai que 3 armées, une 4e serait pas de refus, hein. Sérieux. Hein. Mais bon, déjà si j'arrive à augmenter les effectifs dans mes 3 armées, parce que j'ai 2 armées à moitié, donc c'est pas bon, c'est pas bon. Nordland, ok, super. Oh, cet ordre du chaos fait des ravages d'un véritable marée qui détruit sur son passage. Mais même les vagues les plus violentes finissent par se calmer, ne laissant derrière elles que des survivants meurtriers échouent sur le rivage au milieu des débris. Nous sommes sauvés. Chris et dernier sans réaliser que la marée n'attend que de remonter. Le vieux monde a survécu au massacre, mais un autre aura se prépare dans les cieux depuis une maudite désolation du chaos. Ils disent que vous savourez la victoire. Attendez. On va faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Le chaos a disparu?
Le chaos a disparu. On a survécu. Sans déconner. Ah, enfin, il y a toujours leur putain de héros. Attendez, je vois plus d'armées. Enfin, elles sont peut-être là les armées encore, mais je les vois plus moi. C'est pas possible tout ça là. Bon. Alors toi, t'en es où? T'es en train de te régénérer. Bon, tu vas attendre. Ok. Oh, ça remonte dans tous les coins. J'ai besoin d'un éclaireur. Ok. Le chaos a disparu, il va falloir que je vais me débarrasser de ces loustiques en fait. Ce qui me fait... Enfin, vu leurs armées, c'est pas ce qui fait le plus peur. Parfait. Il va falloir que je reprenne des villes. Alors là... Oh, et Talabane. Alors Talabane... L'œil de la forêt. Midenham est en train de tomber. Midenham se fait assiéger de tous les côtés. Midenham a quand même une grosse... Ils ont quand même une grosse armée. Est-ce que je peux pas aller aider Midenham? Approach and make your offer. Ah oui, d'un seul coup. Eh oui, on veut bien que vous rejoigniez la Confédération, ça serait cool. Surely an agreement will be reached. Ça serait cool, hein, tu m'étonnes. Ça c'est qui? Je sais pas, c'est qui ça? Hard. Ok. Bon, on va encore attendre un peu. Fellow heirs of Sigma. Le Hochelon est là. Non. Non, 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 on va pas se risquer, merci. Tiens, regarde, attends, qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Oh l'enfoiré, vous sentez le coup de vis là? Sérieux, si tu m'attaques, je te massacre. Je te massacre. Et je te massacre. Flame on. Pick up the pace. Ah. C'est ça qui reste. D'accord. Ready to serve. Champion of the faith. Ok, l'incendie en remontée, donc je peux, j'ai pas à m'inquiéter. Et là aussi. Et ça, c'est très bien. Donc, ce que je vais faire... Ok. Je suis en train de voir ce que je pourrais récupérer, en fait. C'est pour ça... Ou pas. Ah oui, d'accord, je sais où aller. Je sais où aller parce que Vernheim sont un peu dans la merde. Il va falloir... En fait, le truc c'est que je crois que je vais envoyer une armée pour me débarrasser des vampires. Là, j'ai plus. Là, en fait, en face de moi, je vais avoir que ça. En fait. Et c'est pas les plus grosses menaces. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avancer avec l'empereur sur Talabane et aller aider Midenheim si je peux. Attends.
Si je peux choper cette armée du chaos, ce serait très bien. Et Et ce que j'ai peur, moi, c'est que les vampires m'attaquent derrière moi, en fait. en beau petit salaud, je sens le truc arriver. Et en fait, le chaos reste plus que ça, parce qu'en fait, c'est une horde qu'ils ont créée totalement à part des unités qu'on spawnait. Enfin, tant mieux. On va pouvoir penser nos plaies. Je vais surtout récupérer un maximum de territoire et on va voir comment je vais pouvoir défendre ça. Parce que ça va être assez laborieux. Il va falloir que je refasse tout, reconstruire tout. Ça va être long. Mais moi, j'aimerais bien me débarrasser des vampires. Parce qu'avoir des ennemis dans mon dos, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Surtout, lui. Me débarrasser d'eux en priorité. Comme ça, ça sera fait. Qu'est-ce qu'ils ont comme garnison? Voilà, ça, je pourrais la reprendre facilement. Comme ça, je pourrais avoir la Vénorne en entier. Et eux, par contre... J'aimerais bien m'en débarrasser. Hein. Sincèrement... le truc, c'est que j'enverrai des espions pour voir où sont leurs armées. Parce que s'ils en profitent, toutes leurs armées soient sur le front, je pourrais attaquer par derrière et prendre leur cité. Bon allez, on se laisse là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc la première vague du chaos a été repoussée. Il y avait des difficultés, mais repoussée. L'Empire a quand même perdu beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de nations qui ont quand même disparu. C'est triste. Et il reste plus que le Ostland et le Midenland, mais le Midenland est en train de se faire assiéger, donc ça va être compliqué. Allez, on se laisse là-dessus, j'espère que donc cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer avec l'Empire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ciao.